Nous nous souvenons, la Terre exerce une force d'attraction sur tous les objets qui l'entourent. Cette force est appelée force de pesanteur et est dirigée vers le centre de la Terre. Donc, la force de pesanteur vecteur grand G ou le poids vecteur grand G d'un objet est la force d'attraction que la Terre exerce sur cet objet. Nous nous souvenons également, grand g est égal à petit m fois ce facteur de poids petit g. Mais entre-temps, nous connaissons la loi fondamentale de la dynamique. Donc, en reliant ces deux formules, nous pouvons en déduire que, lors d'une chute libre d'une masse m, on a, le vecteur force de pesanteur grand G est égal à la masse fois ce vecteur accélération, accélération qu'on appelle accélération de pesanteur. Et sa valeur numérique, nous nous souvenons, vaut 9,81 mètres par seconde au carré. Nous en déduisons que la chute libre d'un corps est un MRUA dont l'accélération est désignée par le vecteur petit g et la valeur numérique de petit g est de 9,81 mètres par seconde au carré.